Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour un tutoriel fleurs. Et oui, vous savez combien j'adore réaliser des fleurs. Je m'éclate. Et aujourd'hui, nous allons réaliser des jonquilles. Et c'est un tutoriel un petit peu particulier parce qu'en fait, chez Airfell Creation, les dyes et tampons pour réaliser des fleurs de jonquilles n'existent pas. J'ai détourné un dye existant et vous allez voir, c'est assez bluffant. Et franchement, je suis trop contente du résultat. J'en ai réalisé également dans des tons roses. Alors, c'est très joli aussi. J'aime beaucoup les couleurs pastel, mais c'est beaucoup moins flagrant, je trouve, qu'en jaune, malgré que ce soit très très joli aussi. Donc, si vous êtes prête à réaliser avec moi des jonquilles, hop hop hop, on sort les outils. Pour réaliser ces jonquilles, eh bien, je vais utiliser un dies et je vais en détourner son utilisation, puisqu'à la base, quand même, les Small Wild Rose, on va pouvoir réaliser des fleurs de ce genre. Je l'avais déjà détourné pour réaliser des roses. Et vraiment génial ce set. En plus, c'est assez facile à faire. Et donc, vous avez déjà deux tutos. Le tuto pour l'utilisation classique, le tuto des roses avec ce dies aussi. Et puis maintenant, nous allons faire des jonquilles. Vous allez voir, ça va être sympa. C'est vraiment super parce qu'on peut faire vraiment différentes choses avec un seul set. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve, parce que du coup, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Donc, pour la fleur de jonquille, il va me falloir deux pétales, un grand pétale et puis un de la taille en dessous pour faire le cœur. Et puis donc après, pareil, si je prends une autre taille, je vais prendre le pétale du dessous ici et un petit. Donc déjà, pour le tamponnage, j'ai choisi trois encres. La Distress, alors c'est la Spiced Marmalade. Celle-ci, la Distress Oxide, c'est la Lemonade. Et celle-ci, c'est la Mustard Seed, un jaune un peu plus soutenu. Alors, pour le pétale extérieur, je vais tamponner avec le jaune plus soutenu. Donc déjà, hop, on met bien de l'encre bien partout. Alors, j'ai pris mon tapis pour tamponner. Vous voyez, il est assez épais. C'est vraiment pratique. Et je vais déjà tamponner pour avoir mon pétale du dessous. Donc je vais en faire bien sûr plusieurs. Et puis pour aller avec ce pétale-ci, il va me falloir celui-ci. Et donc celui-ci doit être de couleur orangée. Donc que je ne me trompe pas d'encre. C'est cette encre-ci. Donc hop, j'en mets bien partout et je vais faire les deux autres aussi. Et hop, j'ai le pétale qui va me servir pour cette taille-ci. Ici, ça va être le cœur, mais il me faut un pétale jaune pour la base. Donc je vais uniquement tamponner ce pétale-ci pour avoir la base en jaune. Et là, je n'ai pas besoin des deux autres puisque je les ai déjà ici. Donc, je vais juste mettre de l'encre sur un seul des pétales, celui qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Pour faire une fleur, il me faut le pétale jaune du dessous, celui un peu plus petit en orange. Donc pareil, ici une autre taille de fleur, celui du dessous jaune et le plus petit en orange. Il m'en faut un deuxième puisque ici j'ai deux pétales. Donc hop, je refais et je ne mets de l'encre que sur ce pétale-ci. Je n'ai pas besoin des deux autres et nous allons pouvoir réaliser notre fleur. Alors, au niveau de la colorisation, eh bien, je vais utiliser pour tous les pétales cette encre-ci. Donc, je prends les petits doigts encreurs de chez Airfelt et puis je vais par mouvement circulaire venir mettre de la couleur. J'aime bien la Distress Oxide parce qu'elle s'étale vraiment, vraiment très bien. Et c'est
assez pratique. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais le papier que j'utilise, c'est le papier pour spécial pour faire des fleurs. Il est très épais. C'est le papier spécial de chez Herfel Collection. Je vais vous mettre le lien pour savoir où le trouver dans ma boutique en barre de cette vidéo. Je ne sais plus combien de grammage il fait, mais il me semble 270, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça, oui. Donc, il faut vraiment un papier épais parce que pour le modelage, il y a aussi le mold. Et je vais les passer dans le mold. Il faut que ce soit bien épais. Donc, je termine de colorer. Et puis, une fois que la couleur est mise, eh bien, je vais séparer mes pétales par rapport au groupe de tampons. Donc là, j'en ai un ici aussi et le dernier. Et puis, je vais prendre donc le set de dies qui correspond. Ici, c'est celui-ci. Et donc, tout simplement, nous le posons sur notre tamponnage. Alors, il y a un sens, vous voyez ici, il y a un creux. Et dans le dies aussi, donc en fait, je me sers ça comme repère. Et vous voyez, c'est vraiment à la forme. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je vais prendre un petit morceau de scotch de masquage et les attacher pour que ça ne bouge pas quand ça va passer dans la machine. Sinon, ça va être raté. Donc, je les attache. Je vais faire la même chose une fois colorisé avec le grand pétale et ça part dans la machine. Ça a bougé, donc je remets. Voilà. J'en ai tamponné aussi plusieurs avec une encre rose. Alors, c'est une des nouvelles encres de Distress Oxide. Je l'ai reçue la semaine dernière. C'est une nouvelle couleur. C'est la Kitsch Flamingo. Très jolie rose, très doux. J'aime beaucoup. Donc, j'ai aussi fait des tamponnages roses. Et je ne colorise pas. Je vais laisser blanc à l'intérieur. Donc là, je passe le dies en machine aussi pour récupérer mes pétales. On peut ranger le tapis à tamponner, les tampons, les dies, on n'en a plus besoin. J'ai besoin maintenant d'ancrer un petit peu les fleurs. Donc, je prends une fleur avec le tamponnage jaune pour le dessous et l'orange au-dessus. Pareil, dans deux tailles différentes pour la seconde fleur. Je vais repasser avec mon encre, donc le jaune un petit peu plus soutenu pour les pétales du dessous sur tout le tour pour accentuer un petit peu la couleur. Donc, je repasse comme ceci sur tout le tour et il va falloir aussi que je vienne coloriser l'arrière de mon pétale car ça va être visible. Donc, je vais terminer après. Je vais le faire aussi pour celui-ci. Et là, je reprends mon encre. Oups, mon encre la plus claire. Et je retourne. Je colorise à l'arrière, bien partout. Donc, rapidement, hein, c'est l'arrière. Et sur le plus grand des pétales, ça ne va pas trop se voir. Je terminerai après, c'est juste là pour vous montrer. Donc voilà, je fais ça sur mes deux pétales tamponnés en jaune. Pour le pétale tamponné orange, alors à l'arrière, je vais aussi mettre du jaune le plus clair. Et sur le pétale, cette fois, je prends l'encre orange, mon petit tampon encreur qui correspond et là j'accentue un petit peu plus, il faut que l'orange se voit bien 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 bien, donc j'insiste un petit peu plus, ça va être le cœur de la fleur. Donc je continue, je fais ça aussi pour celui-ci et le mold est de sortie. Nous allons modeler les pétales, donc c'est le mold qui correspond au smold Wild Rose. Je termine et nous allons poser ceci dans ce mold. Pour mes pétales roses, ça va être plus simple. Je repasse sur les bords. Donc, j'avance un petit peu quand même sur le papier. Je vais aussi en mettre ici sur le cœur un petit peu.
Et hop, je continue. Et je vais coloriser l'arrière. Donc là, on va un petit peu plus vite. Hein. Je colorise tout ça et je vais préparer mes autres pétales également. Donc bien le tour et un petit peu le cœur et c'est suffisant. Dans le mold, il y a deux parties. La partie où on va poser les pétales et ici où on referme. Donc vous voyez, il y a deux encoches par ici, deux par ici. Donc on referme comme ceci. Et les pétales, je ne vais pas les retourner mais les mettre face à moi parce que je veux que la fleur déjà commence à prendre cette forme. Et c'est pareil, dans le mold, vous voyez, il y a un sens. J'ai l'encoche, je la vois ici, donc c'est bon. Alors, ce n'est pas le cas pour les autres. Ici, parfait. Alors, vous tournez, vous allez trouver l'endroit. Voilà. Donc, je remplis mon mold. Je vais refermer. Je vais le refermer, bien sûr. Je vais m'arrêter là. Je vais le refermer, donc. Allez, je replace comme il faut. Oui, je fais correspondre les deux encoches. Je referme. Je prends ma plaque transparente. J'en mets une en dessous, une au-dessus. Et ça passe dans la machine. Voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez, j'ai un joli modelage. Ma fleur commence déjà à remonter. Mais il va falloir encore que je la travaille un petit peu à la main. Et pour cela, j'ai pris le kit pour les fleurs. Et dans le kit, le gros kit de luxe, il y a 13 pièces. Il y a entre autres un pic pour percer les fleurs. Mais il y a ceci. Et il y a à l'intérieur une encoche. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre le pétale comme cela. Et vous voyez, on peut le modeler un petit peu comme on souhaite. Donc moi, je vais relever ici un petit peu les bords du grand pétale, celui qui va être sous le cœur de la fleur. Donc hop, je viens enrouler un petit peu les bords pour les remonter encore plus. Comme ceci, de chaque côté. Alors, si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez à la main, hein, vous venez pincer un petit peu, vous voyez. J'ai remonté ma fleur. Et puis, de l'autre côté, j'ai mis un embout avec une perle assez grosse et je vais appuyer sur le milieu. Vous voyez, je remonte mon pétale. Pour ce qui est du cœur, ça va être un petit peu différent. Donc évidemment, on le remonte. Et je vais venir, donc le pistolet à colle chaude est branché, je vais venir coller les pétales comme ça, ici ensemble. Donc je vais vous montrer avec la colle. Vous voyez, je vais venir les coller, mais je vais les arrondir de l'autre côté. Donc j'ai bien remonté mon pétale, mais maintenant je prends le bout. Alors, hop, je prends juste le bout et je replie un petit peu pour qu'il revienne comme ça sur l'extérieur. Alors là, j'ai deux morceaux. Donc je fais ça sur tous mes pétales. J'appuie bien, bien, bien au centre et je viens les retourner un petit peu. Vous voyez là, ils reviennent sur l'extérieur. Donc je termine et puis nous allons coller le cœur. J'ai remis juste un petit peu de orange sur le cœur pour faire ressortir. Et puis maintenant, voilà, je vais mettre un tout petit peu de colle chaude ici sur le côté d'un des pétales et je viens amener l'autre dessus. Vous voyez, et je serre un petit peu entre les mains. Je continue, pétale suivant, il va venir se positionner sous l'autre, et pareil, je serre pour les rapprocher. Alors évidemment, j'enlève les excès de colle, je continue et je vais former le cœur de ma fleur qui va ressembler à une jonquille. S'en approcher fortement, tout du moins. Il me reste ce pétale-ci.
Je ne mets pas beaucoup de colle. Hein. Et hop, je viens les attacher. Il m'en reste juste un. Et voilà, notre cœur de jonquille. Très, très sympa. Alors, on peut remettre un petit peu de orange si on veut ici, sur l'arrière. Juste sur le haut pour bien faire ressortir parce que cette partie va être visible. La fleur est très dimensionnelle et il me reste à venir poser ceci au milieu. Donc là, hop, on peut mettre plus de colle. Pas trop non plus parce qu'il va falloir percer pour mettre les pistils et j'ajoute ceci. Alors regardez, c'est quand même magique avec une fleur à la base qui n'est pas du tout prévue pour cela. Ce que l'on va obtenir, c'est juste génial, génial, génial. Je sors les pistils, je termine, je vais faire la même chose avec cette fleur-ci. Et puis, on ajoute les pistils. C'est quand même incroyable. J'ai une préférence un petit peu pour la petite, mais maintenant, il me reste à prendre un outil pointu. J'ai sorti les pistils, donc je les ai pris au rangé. Ce sont les pistils beads. Ils sont un petit peu pailletés. Et donc, pour la petite fleur, je vais en prendre... oui, je vais en prendre 3. Et donc, je vais percer bien au centre. Alors, un trou assez grand parce que il faut que les 3 passent. Et puis, tout simplement, vous prenez votre groupe de pistils et je vais enfiler sur... dans le trou. Il me reste à venir mettre un peu de colle chaude à la base. Alors là, attention, pas trop. Juste ce qu'il faut pour que les pistils puissent bien se mettre. J'en ai un qui est un peu trop relevé, mais c'est bien en même temps. Et regardez un peu. Voilà notre fleur de jonquille. C'est quand même assez ressemblant, je trouve. Je vais faire la même chose sur l'autre et je vous montre le résultat. Et puis, j'ai réalisé aussi les roses. C'est sympa. On voit moins que c'est une jonquille par rapport au jaune. Mais voici mon bouquet de jonquilles. Je vais sortir le cristal clear, la colle et pailleter un petit peu tout ça. Alors, mon cristal clear, c'est un gros pot et c'est bien pratique. Alors, j'ai juste acheté un gros pot en fait et j'ai versé dedans, je crois, 3 ou 4 petits pots parce que je m'en sers beaucoup. Mais surtout, l'avantage d'avoir un gros pot, c'est que je peux tremper directement la fleur dedans. Mais sinon, on verse dessus et puis on récupère après puisque nous avons mis un brouillon en dessous. Donc, c'est juste que moi, oui, je m'en sers très très souvent. Donc, j'ai tout mis dans un grand pot. Donc, ma colle Art Glitter sur le côté. J'ai pris un pinceau. Alors, j'enlève bien l'excès et je vais venir mettre un petit peu de colle sur mes pétales, donc les pétales extérieurs, mais aussi un petit peu à l'intérieur, sans trop en mettre non plus. Et puis, donc, soit vous versez votre cristal clear et vous allez récupérer ensuite sur le papier brouillon pour remettre dans le pot. Moi, je trempe directement. Et puis, ça va sécher, mais on voit déjà un joli, des jolis brillants, sans que ce soit trop chargé, juste ce qu'il faut. Alors après, il faut enlever, bien sûr, les petits filaments de colle chaude qui pourraient encore rester. Je finis de pailleter toutes mes fleurs et nous aurons terminé. Voici donc le résultat final. Alors, on peut garder les tiges, comme ça, on fait un bouquet et il suffit d'enrouler un très fin ruban autour
pour les garder comme ceci, ou alors tout simplement on coupe l'excédent pour pouvoir poser la fleur sur une réalisation, une carte, ou ça va être très très joli. Maintenant, dans le même set, c'est le set avec le papillon dont je vous ai fait le tutoriel il y a quelques temps, il y a la jonquille. Donc, je vais tamponner cette jonquille pour avoir surtout la feuille. Et vous allez voir, ça va être très sympa. Alors, je vais prendre l'encre Distress jaune la plus foncée et je vais uniquement en mettre sur la fleur. J'essaie de ne pas venir en mettre sur la feuille. Et la feuille, je vais prendre une encre verte. Et je vais venir en mettre uniquement au niveau de la feuille. En essayant de ne pas déborder, ça n'est pas évident. Et hop, je tamponne. Et verdict, c'est pas trop mal. Il me reste à venir colorer ma fleur légèrement avec cette encre-ci et puis ma feuille avec une encre plus claire. Je vais juste avec un feutre venir mettre des points orangés sur le pistil. Et puis, je prends le dice qui correspond bien sûr au tamponnage. Je fixe avec un morceau de scotch de masquage et ça part dans la machine. Voici ce que j'obtiens. Je vais juste repasser un petit peu avec mon encre verte plus foncée de la couleur du tamponnage autour de la feuille pour la faire ressortir. Et puis, je vais faire la même chose au niveau de la fleur. Je reprends ceci. Je viens faire le tour de ma fleur pour accentuer aussi un petit peu la couleur et faire ressortir. Et puis, regardez, je peux soit couper le pistil et venir mettre ma fleur à la place. C'est une possibilité, ou enlever la fleur et garder uniquement la feuille. Alors, je vais le faire, comme ça vous allez voir. Je ferai un autre tamponnage, ça n'est pas grave. J'enlève, je récupère ma feuille, je coupe mes pistils et je viens positionner ma fleur dessus et j'ai une très jolie fleur de jonquille avec sa feuille. J'espère que ce tutoriel vous a plu, vous donnera envie de réaliser de jolies jonquilles. Alors j'ai une préférence quand même pour celles-ci qui sont plus beaucoup plus réalistes. Mais c'était très sympa, je me suis éclatée à les réaliser, surtout qu'à la base ce n'était pas du tout le dice fait pour réaliser ces fleurs-ci, donc je suis assez contente du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant de vous retrouver pour de prochains tutoriels et projets, je vous fais plein de gros scrap bisous. À très vite, ciao ciao.